Bonjour, bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Vous êtes avec Mirella pour le partage de la première lecture et du psaume de ce jour. Avant toute chose, je vous souhaite à tous une très bonne et sainte année. Que le Seigneur vous comble chaque jour de son amour, de sa paix. Que le Saint-Esprit nous remplisse et nous guide tout le long de notre vie. Alors aujourd'hui, nous sommes le samedi 13 janvier 2024. Nous sommes dans la première semaine du temps ordinaire et nous fêtons Saint-Hilaire de Poitiers. Au IVe siècle, évêque de Poitiers, il fut l'un des principaux opposants à l'hérésie arienne qui niait la divinité du Christ, docteur de l'Église depuis 1851. Bon anniversaire à toutes les personnes qui le fêtent aujourd'hui et merci à toutes les personnes qui nous suivent quotidiennement par le biais de la radio, par Facebook ou par YouTube. Avant de vous partager la première lecture du premier livre de Samuel, nous allons demander à l'Esprit Saint de venir nous remplir de sa présence, de nous inonder afin de mieux accueillir sa parole. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Le feu, l'espérance, affermis nos âmes.
Lecture du premier livre de Samuel. Il y avait dans la tribu de Benjamin un homme appelé Kis. C'était un homme de valeur. Il avait un fils appelé Saul, qui était jeune et beau. Aucun fils d'Israël n'était plus beau que lui, et il dépassait tout le monde de plus d'une tête. Les ânesses appartenant à Kis, père de Saul, s'étaient égarées. Kis dit à son fils Saul, « Prends donc avec toi l'un des serviteurs et pars à la recherche des ânesses. » Ils traversèrent la montagne d'Éphraïm. Ils traversèrent le pays de Salisa sans les trouver. Ils traversèrent le pays de Salim. Ils n'y étaient pas. Traversèrent le pays de Benjamin sans les trouver. Alors ils allèrent à la ville où se trouvait l'homme de Dieu. Quand Samuel aperçut Saul, le Seigneur l'avertit. Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui exercera le pouvoir sur mon peuple. Saul aborda Samuel à l'entrée de la ville et lui dit, Indique-moi, je t'en prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saul, C'est moi le voyant. Monte devant moi au lieu sacré. Vous mangerez aujourd'hui avec moi. Demain matin, je te laisserai partir et je te renseignerai sur tout ce qui te préoccupe. Le lendemain, Samuel prit la fiole d'huile et la répandit sur la tête de Saul. Puis il l'embrassa et lui dit, « N'est-ce pas le Seigneur qui te donne l'onction comme chef sur son héritage ?» Parole du Seigneur Tout-Puissant. N'oublions pas que le Seigneur a un plan d'amour et merveilleux pour chacun de nous. Car il est amour, et de lui, nous ne pouvons recevoir que de l'amour. Souvent dans notre vie, les choses ne se passent pas forcément comme on le souhaite. Mais gardons dans nos cœurs que le Seigneur sait toutes choses, mieux que nous. Il faut que nous nous laissions guider par lui, car lui seul sait ce que nous avons besoin. Il est là, il le sera toujours. Il est l'alpha et il est l'oméga. Nous sommes un peuple choisi. Il ne veut perdre aucun d'entre nous. Il est doux et lent à la colère. Donc, ayons confiance, malgré tout ce qui peut se passer. Amen. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Quelle allégresse lui donne ta victoire. Tu as répondu au désir de son cœur. Tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. Tu lui destines bénédiction et bienfait. Tu mets sur sa tête une couronne d'or. La vie qu'il t'a demandée, tu lui la lui donnes. De longs jours, des années sans fin. Par ta victoire grandit son éclat. Tu le revêts de splendeur et de gloire. Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours. Ta présence l'emplit de joie. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Voilà, nous arrivons à la fin de notre séquence. Je vous souhaite une très bonne journée et encore une très bonne année à tous. Je viens me prosterner, émerveillé par ta beauté. Oh mon Dieu, je viens m'agenouiller. Le cœur comme on ouvre un chemin.
peurs ne sont plus rien. J'étais perdue sans toi, mais me voici ressuscitée.